La semaine se poursuit, mesdames et messieurs, et au même moment, voilà, la situation semble évoluer négativement ou positivement. Ça dépend justement des efforts des uns et des autres. C'est là qu'ils sont censés prendre les décisions. En République démocratique du Congo, les dirigeants font ce qu'ils peuvent faire. Et à un certain moment, il y a des dérapages. Et quand il y a des dérapages, nous n'hésitons pas, mesdames et messieurs, de l'évoquer. Pourquoi ? Qu'ils corrigent, voilà, là où ça n'a pas marché et prochainement qu'il y ait des améliorations. Mesdames et messieurs, voilà donc aujourd'hui dans ce décryptage, quelques points vont nous intéresser. La situation sécuritaire, mais également on va parler politique parce que le bureau Christophe Mboso, un bureau d'âge aujourd'hui, on peut dire qu'il est sur une chaise éjectable. Avant d'y arriver, messieurs et dames, une bonne nouvelle, parce que comme vous étiez en train de le demander, voir les FRDC, voir les Wazalendo mener des offensives contre les rebelles du M23. Et là, je peux dire, nous sommes sur une bonne voie, parce que tout ce que les M23 sont, et les RDF voilà, sont en train de commettre comme atrocité, à un certain moment, on peut dire, ils peuvent peut-être profiter d'une certaine légèreté dans les chefs de ceux-là qui dirigent les pays, mais... Mesdames et messieurs, ça ne sera pas pour longtemps parce que les FRDC sont là, recevant bien sûr les ordres des dirigeants, mais à un certain moment, elles réagissent, à un certain moment, elles font preuve aussi de ce patriotisme pour défendre comme il faut la République démocratique du Congo. Je l'ai dit pourquoi? Parce que les Wazalendo et les FRDC ont érigé leur quartier général dans la cité de Bitonga. Bitonga, on peut dire, c'est d'abord une localité près de Minova. Des Minova, donc entre la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu. Bitonga est aujourd'hui sous contrôle des Wazalendo et des FRDC. Bitonga, on peut dire qu'il est aussi stratégique. Pourquoi? Parce que les M23 voulaient élargir aussi leur influence. Non seulement après avoir coupé la route Goma-Minova, ils voulaient tout d'un coup prendre le contrôle des Minova aussi et aller jusqu'en province du Sud Kivu. Alors, comme les FRDC ont compris cette intention, Bitonga aujourd'hui est entre les mains des FRDC et des Wazalendo. Alors, les M23, comme ils se sont toujours illustrés dans ce genre d'attitude, quand ils se retrouvent en difficulté face aux FRDC, face aux Wazalendo, ils s'apprennent toujours à la population. C'est ce qui explique les tirs que vous avez observer les tirs qu'on a documenté parce que le week-end dernier, après avoir bombardé les camps de déplacés dans la ville de Goma à Mugunga, donc entre Mugunga et les quartiers Lac Vert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les M23, les samedis, ils ont bombardé, ils ont largué des bombes dans la cité de Minova. Il y a eu même des victimes et d'autres populations ont quitté les alentours de Minova pour se retrouver la plupart à Minova et aller même au-delà de Minova, toujours dans la province du Sud Kivu. Nous sommes dans le territoire des Kalehe. Comprenez, mesdames et messieurs, que c'est comme ça que les M23, les RDF agissent. Quand ils se retrouvent en perte de vitesse face au FRDC, facilement ils larguent des bombes à l'aveugle. Et c'est toujours les populations qui sont victimes. Parce que souvenez-vous, même avant de bombarder les camps de déplacés à Mugunga, qu'est-ce qui s'est passé? Les M23 étaient en difficulté parce que les FRDC avaient détruit leur dépôt d'armement. Les FRDC avaient donc ils avaient enregistré des pertes dites au tir des FRDC près de la cité de Sake, donc aux alentours de Kimoka. Nous sommes toujours dans le territoire des Masisi. Et c'est avec cette colère qu'ils avaient donc bombardé les camps de déplacés. Et aujourd'hui, Ils ont fait la même chose cette fois-ci. Ça tombe bien parce que nous enregistrons un résultat aussi positif parce que les FRDC contrôlent déjà la cité, disons la localité de Bitonga, près de Minova. On doit donc se réjouir de ça, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas seulement Bitonga qui était entre les mains des M23. Il y a plusieurs localités, plusieurs entités, plusieurs territoires aujourd'hui appartenant à la République démocratique du Congo qui aujourd'hui sont sous contrôle de ces M23 RDF. Donc c'est à nous de continuer sur cette bonne base. Une bonne base parce que ça ne sert à rien, on récupère une entité et tout juste après, l'ennemi revient dans cette même entité. Alors là, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas forts militairement, mais il y a aussi quelque chose qui cloche au sein
ces opérations, mesdames et messieurs. Et voilà pourquoi je l'ai toujours dit, quand vous voyez qu'il y a des mauvais résultats, et ça se dit même toujours, vous avez un revolver, et dans ces revolvers, vous n'avez que, qui est chargé avec 5 cartouches même. Dans les 5 cartouches, réservez 4 à l'ennemi qui est à l'intérieur et un autre, disons une autre, voilà, qui sera aussi, qui va vous servir, voilà, pour éliminer l'ennemi de l'extérieur. Mais à l'intérieur, tous ces ennemis, on doit, ils sont là, les traîtres qui sont là. Alors, c'est ce qui explique, mesdames et messieurs, à un certain moment, des choses semblent marcher et après, nous revenons sur les mêmes habitudes, donc dans nos opérations, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et c'est à nous de revoir tout ça, parce que les populations sont en train de se demander pourquoi nous restons toujours dans cette même situation. Tantôt, nous récupérons une entité. Tantôt, c'est les M23-RDF qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et nous ne pouvons pas donner l'impression au monde entier que l'ennemi est plus fort que nous. Ça, non. Alors, tout ces couacs, justement, qui nous caractérise aujourd'hui, nous devons tout faire pour les mettre aussi, pour les corriger et voir comment est-ce que nous pouvons avancer. C'est le plus important aujourd'hui. Et si nous n'arrivons pas à répondre à toutes ces exigences, si nous n'arrivons pas aussi à réduire même cette complicité à un certain moment qui devient, on peut dire, éternelle, c'est toujours nous qui sommes trahis. Alors, à un certain moment, mesdames et messieurs, nous devons taper du poing sur la table et voir comment est-ce que nous pouvons évoluer. Donc, c'est ça la bonne nouvelle d'abord, parce que Bitonga, cette localité près de Minova, aujourd'hui qui est passée sous contrôle des FARDC, c'était le lundi, tout juste quand la semaine commençait, les FARDC ont récupéré cette localité et ils ont érigé leur QG avec les jeunes patriotes. Toujours là, il ne se fatigue pas, c'est Wazalendo. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi à nous de continuer toujours à renouveler ce soutien à ces Wazalendo et à ces FRDC. Alors, pour ce qui concerne les condamnations, ça continue. Cette fois-ci, c'est le gouvernement congolais qui condamne aussi, dans un communiqué, les bombardements de ces camps déplacés par Kigali. Alors, le gouvernement ne s'est pas limité juste au simple condamnation. Qu'est-ce qui a été fait en plus, donc, au-delà du fait de condamner, les gouvernements congolais menacent même son appartenance ou disons son implication dans l'accord ou disons d'aller pour parler des Luanda. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment est-ce que des résolutions sont prises au niveau des Luanda, au niveau même de Nairobi, je ne sais pas quel autre lien aujourd'hui qui est en train d'abriter tous ces pourparlers. RDC, Rwanda, parce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo n'a pas de considération envers les M23. Les M23, ça reste aussi ce sobriquet, ça reste justement c'est un truc aujourd'hui qui est vide, mais c'est bien au contraire. Bien au contraire, voilà, c'est les forces rwandaises qui sont en train de combattre en République démocratique du Congo et puis ils viennent avec les labels M23. Donc, il y a aujourd'hui lieu de faire la part des choses. Nous faisons la guerre contre les Rwandais est en train de faire la guerre à la République démocratique du Congo. Jusque-là, nous sommes d'accord, la République démocratique du Congo agit ou se défend, mais ça ne doit pas s'arrêter par là. Donc, à un certain moment, il faut entrevoir aussi des attaques contre les Rwandais. Et ces attaques contre les Rwandais ne vont pas se limiter tout simplement en République démocratique du Congo où il y a des territoires aujourd'hui qui sont, comment dire, qui sont occupés justement par ces rebelles, qui sont occupés par les forces rwandaises. Au-delà du fait de les chasser sur notre territoire, à un certain moment, nous devons aussi anéantir ce système d'attaque du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Pour l'anéantir, donc, la RDC fasse des attaques aussi au Rwanda. Nous avons cette capacité. Parce que le Rwanda, depuis qu'il a commencé ses aventures en République démocratique du Congo, il n'a jamais été menacé militairement. Le Rwanda n'a jamais été menacé. Donc, à nous de faire sentir au Rwanda les goûts de la guerre. Qu'ils comprennent aussi comment est-ce qu'on... quelles sont les conséquences que d'autres subissent quand ils sont frappés par des attaques étrangères. À nous de les faire aussi contre les Rwandais, qu'ils sentent aussi comment est-ce, quelles sont les conséquences. Même la population rwandaise, qu'elle sente aussi c'est quoi la guerre. Parce que le génocide qui a été... qu'ils ont vécu, c'est pas la guerre, c'est pas le bruit des bottes comme nous les sentons. Les populations se déplacent. Imaginez les gens qui ont quitté
comment dire, Rutshuru pour aller par exemple à Kibumba. Et tout d'un coup, l'ennemi prend Kibumba, vous êtes obligé de quitter Kibumba pour venir à Goma. Imaginez les atrocités que les populations sont en train de subir. D'abord, vous quittez vos milieux respectifs parce qu'il y a échange de tirs entre des forces protagonistes. Et vous venez dans un camp de déplacés. Dans le même cas, d'abord, sur le plan humanitaire, ça ne marchait pas. Et puis, on vient vous bombarder dans le même camp. Est-ce que la population rwandaise a déjà subi ça? Alors, je ne souhaite pas que la population rwandaise subi ça. Mais si à un certain moment, les Rwandais n'arrivent pas à comprendre ou à prendre aussi au sérieux ce qu'ils font subir aux autres, là, je parle du régime rwandais. Parce que c'est le régime rwandais qui gère le pays et gère la population. Parce que quand on parle d'un État, il y a un élément fondamental aussi pour un État, c'est la population. Et au Rwanda, il y a une population. Alors, comme la population n'a jamais compris cela, le régime rwandais n'a pas encore vu sa population souffrir comme la population congolaise est en train de souffrir aujourd'hui. C'est pour cela qu'il continue toujours de faire ses aventures. Mais si une fois, nous arrivons d'abord, parce que c'est l'urgence, faire sortir les militaires rwandais sur les sols congolais par force, parce qu'ils ne comprennent pas le langage diplomatique. Depuis qu'on a commencé à exiger aux troupes rwandaises, la France l'a dit. Bon, c'est juste des paroles. Les États-Unis, mais les Rwandais n'ont jamais l'initiative de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Alors, on doit le faire par force. Par force, nous les imposons ces retraits. Et quand ils seront chez eux, qu'on ne s'arrête pas par là. Parce que pour mieux se défendre, on doit aussi mener des bonnes attaques contre les pouvoirs de Kigali. Et là, on doit attaquer aussi les Rwandais. Faire même quelques tirs. On peut viser certaines agglomérations. C'est vrai, là où il n'y a pas de population. Il faut une concentration de la population. Parce que le gouvernement congolais doit se comporter comme irresponsable et non pas tuer les gens parce que ce sont des crimes de génocide. Comme nous avons subi des crimes de génocide, nous ne sommes pas appelés aussi à répondre aussi par des crimes de génocide. Mais qu'on fasse sentir au Rwanda combien de fois la RDC, c'est un État puissant. C'est un État puissant. Qu'on survole même leur espace aérien, qu'ils comprennent à un certain moment que c'est une réponse par rapport à ces envies expansionnistes qui les ont toujours caractérisés. On peut les faire, mesdames et messieurs. Voilà donc Kinshasa qui condamne, et au-delà de ça, Kinshasa pourrait peut-être se retirer des pourparlers, parce qu'on a, demandé aussi, on s'est adressé plutôt aux facilitateurs désignés par l'Union africaine dans le cadre des pourparlers de Luanda. Nous demandons à João Lourenço de prendre aussi au sérieux, de prendre en considération ce que le Rwanda a fait à Mugunga. Ce qu'ils ont fait à Mugunga, on doit prendre ça au sérieux. Alors, c'est pour cela, mesdames et messieurs, qu'en Kinshasa, à un certain moment, on peut considérer ça comme étant une menace de se retirer, peut-être, de tout ce qui s'est fait aujourd'hui à Luanda. Pourquoi? Parce que ça ne produit pas d'effet. C'est ça aussi le problème. Il n'y a aucun résultat jusque-là, depuis qu'on a commencé avec ces pourparlers. À Nairobi, je ne sais, il n'y a rien. À Luanda, il n'y a rien. Alors, nous n'allons pas rester toujours dans ces mêmes jets, sans pour autant obtenir des résultats. Vous êtes facilitateur, nous vous devons beaucoup de respect, Excellence João Lourenço, mais à un certain moment, quand il n'y a pas de résultats, soyez conséquents. Soyez conséquents aussi parce que la République démocratique du Congo ne va pas rester là en train toujours de cautionner tout ce que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui, les Rwandais, sur le sol congolais. Voilà donc ce qu'il faut retenir par rapport à ces communiqués du gouvernement congolais. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, parce que tout est renvoyé au fitir. C'est ça le problème. C'est comme si nous n'avons pas cette force d'agir immédiatement. Parce que tout ce qui a été dit, c'est toujours dans le fitir. Donc, on attend, quand le gouvernement va juger bon de répondre aux attaques du Rwanda, ça sera fait maintenant. Mais pourquoi on ne peut pas le faire immédiatement? On a toujours dit, il faut battre les fers, c'est un adage, il faut battre les fers quand il est chaud. Aujourd'hui, le fer est encore chaud. Quand il ne sera plus chaud, on aura du mal même à les casser. Voilà, donc aujourd'hui, il faut revoir notre façon de faire. Au-delà des condamnations, il faut agir. Nous devons agir. Nous devons montrer au Rwanda que nous sommes un État souverain. Ils ne peuvent pas venir nous agresser comme ils veulent, et puis nous allons rester là pour les observer seulement. Ça ne passe plus. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi nous exhortons celles qui ont les pouvoirs dans leurs mains de faire ce qui est intéressant, ou disons ce qui est capital pour la République démocratique du Congo comme nation. Voilà
en quelque sorte, ces communiqués donc du gouvernement congolais qui oui, il y a là où on doit encourager, surtout quand on menace indirectement de se retirer de tout ce qui se fait aujourd'hui à Luanda, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses n'évoluent plus. Voilà, ça c'est très bon, mais il ne faut pas toujours envoyer toutes choses dans les futurs. À nous d'agir, le Rwanda ont agi disons, d'une manière beaucoup plus directe, à nous de réagir directement. Parce que nous n'allons pas agir, nous allons plutôt réagir sur ce qu'ils ont fait dans les camps des déplacés. Au-delà du fait disons, des réponses humanitaires qu'on peut apporter, mais nous devons aussi faire quelque chose de plus important pour contraindre ces agresseurs de la République démocratique du Congo, enfin, mesdames et messieurs, d'obtenir des résultats qu'il faut. Voilà. Alors, un autre point, c'est que justement, c'est cette Belgique, cette France, les États-Unis d'Amérique qui restent unanimes dans leur appel au Rwanda. Quand on demande au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo, voilà, les États-Unis restent unanimes, la Belgique, la France. Mais bon, qu'est-ce qui change? Vous allez rester là toujours en train de condamner, vous allez rester là en train d'appeler quelqu'un qui ne vous écoute plus, à moins que, parce que ça, c'est ça aussi le problème. Vous-même, vous êtes complice. Et pour flouer les Congolais, vous restez toujours dans les condamnations interminables. Eh bien, à un certain moment, on peut dire, nous n'avons pas besoin de vous, nous n'avons plus besoin de vos condamnations. On n'a plus besoin de ça. Si vous ne voulez pas passer aux actions, si vous ne voulez pas agir comme il faut, soyez donc conséquents. Préparez-vous à être beaucoup plus conséquents parce que la RDC, on ne va plus être berné, on ne va plus être aussi dorloté par des simples condamnations qui n'ont rien, des condamnations qui, c'est les mieux juste un petit papier. Et d'ailleurs, c'est un papier qui ne dépasse pas des pages. C'est juste une page. Il n'y a pas des pages d'ailleurs dans toutes leurs condamnations. C'est juste une page. Et puis, vous voulez que nous restions toujours là en train de suivre votre théâtre. Ça devient un théâtre à un certain moment. Donc, ne gaspillez même plus votre énergie en train de condamner. Si vous ne voulez pas sanctionner, ok, laissez-nous. On va faire autrement. Parce que je comprends, sur le plan diplomatique, nous n'arrivons pas à être écoutés parce que si militairement, on n'est pas très efficace. Le fait de ne pas être très efficace, ce n'est pas à dire que nous n'avons pas cette capacité. Mais il y a la politique qui s'interpose. La politique s'interpose toujours. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on va terminer par cette information, comme je le disais, et c'est sur le plan politique. Un groupe des députés nationaux menace de destituer Christophe Mboso Kodia en déjà 48 heures. 48 heures, donc, déjà, c'est 24 heures épuisées. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas un bureau définitif pour l'Assemblée nationale. Et certaines personnes estiment que les retards du gouvernement. Le gouvernement ne sort pas parce que l'organe qui est censé investir ce gouvernement n'a pas un bureau définitif. Donc l'Assemblée nationale, les parlements pour le Sénat, jusqu'à c'est vrai, les sénateurs ont été élus, mais on n'a pas, ils ne sont même pas installés pour les sénateurs, ils ne sont même pas installés, ils n'ont même pas un bureau d'âge. Même un bureau d'âge, il n'y en a pas. Donc c'est un statu quo. Et là, un député élu du Nord Kivu, il est de Masisi. Didier Kamundu, qui est la tête d'affiche de ces groupes de députés nationaux qui menacent Christophe Mboso Kodia. Parce qu'ils estiment que le calendrier était d'abord, on avait un calendrier pour l'élection du bureau définitif. Ça devrait commencer déjà en ce début du mois de mai. Le même calendrier a été reporté à une date ultérieure. Parce que ça devait commencer le 8 mai, justement. Donc, pendant cette semaine. Et tout juste après, on a reporté ces élections à une date ultérieure, donc une date qui n'est pas connue. Et on ne dit rien, les choses évoluent comme ça. Et pour un Mboso doit être destitué. Mais c'est ce même bureau d'âge qui doit organiser les élections du bureau définitif. La remise et reprise, c'est entre les bureaux d'âge et les bureaux définitifs, donc les bureaux sortants et les bureaux entrants. C'est ça la remise et reprise qui doit être aussi fait. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui sera fait. Parce que quand vous destituez, supposons que cette démarche aboutisse, vous allez destituer le bureau Mboso et après, on aura un autre bureau d'âge ou comment? C'est la question que je me demande. Ou alors c'est juste une pression. Parce qu'ils ont dit 48 heures, s'ils n'obtiennent pas un calendrier, Mboso sera destitué.
Si, imaginons alors que Mbosso ne réponde pas ou disons, ne respecte pas ces délais de 48 heures, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui sera fait justement? Voilà, mesdames et messieurs, comme on le dit toujours. Et c'est pour cela qu'on ne nous respecte pas à l'étranger. À l'extérieur, on ne nous respecte pas. Parce qu'en République démocratique du Congo, il y a des petites questions aujourd'hui qui ne trouvent pas de réponse immédiatement. Et on se dit, mais qu'est-ce qui nous bloque jusqu'à ce niveau? Imaginez aujourd'hui, nous sommes dans les 5e mois. Depuis, bientôt ça va se faire 5 mois, bien sûr, depuis que le président Félix Tshisekedi a investi. Parce que c'était le 20 janvier. Donc, au 20 mai, on va aller dans les 5e mois. Et rien n'est fait. C'est toujours la présidence qui est là. Il n'y a pas un gouvernement. Parce que je l'ai toujours dit, le gouvernement, ce qui est démissionnaire, ne peut pas faire. Il y a des dépenses qu'il ne peut pas faire, ce gouvernement. Il y a des initiatives que ce gouvernement ne peut pas prendre parce qu'il est démissionnaire. Bien qu'il est là en train de gérer les affaires courantes, mais il est démissionnaire. Donc, il y a un statu quo institutionnel aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit, les acteurs politiques, les autorités morales, ne rentrent pas, ne sont pas en train d'aider les chefs de l'État. Vous n'aidez pas les chefs de l'État. Donc, les blocages aujourd'hui, vous êtes aussi responsables. Espérons que les chefs de l'État, ils ont bien sûr de son pouvoir constitutionnel, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, saura quoi faire et limiter les dégâts. Parce que quand on dépasse, ça va prendre 6 mois, 11 mois, ça sera 7 mois plutôt, ça sera beaucoup. Et c'est le retard qu'on sera en train toujours d'acquiser, d'enregistrer. Voilà, mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de faire mieux. Faire mieux, c'est d'abord chacun qui a une parcelle du pouvoir doit utiliser, doit travailler pour l'intérêt de la population et non pas pour ses propres intérêts. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de ce décryptage pour aujourd'hui. Les numéros restent les mêmes, les 09 98 72 43 14. Alors je commence par l'indicatif, le plus 243 9 98 72 43 14. Jenning Twali, c'est moi, à votre compagnie, pour vous accompagner, mesdames, pour vous servir plutôt. On va se retrouver demain pour un autre décryptage sur Congo Live Télévision. Aimez, commentez, partagez massivement, faites-le et ça va nous honorer et ça va permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qu'il faut faire pour que la RDC aille mieux, pour que la RDC recouvre aussi sa souveraineté. Mesdames et messieurs, on va se retrouver prochainement. Prenez bien soin de vous.